Bonjour, je m'appelle Deahuzi. Mes seconds prénoms sont Deahou, Libanais. Mes proches m'appellent aussi Ladé. Je suis né à Angers le 29, soit le même jour que Michael Jackson, je crois. Quand j'étais petit, mon film préféré, c'était... c'était Roi Lion. Hein. Je me voyais direct en roi de la savane. Mais je regardais aussi Buffy contre les vampires. Et je regardais Charmed, la trilogie du samedi, quoi. Mes idoles ont toujours été... J'aimais bien Juninho. Je te jure, j'aimais grave Juninho quand j'étais petit. Juninho, Ronaldinho, j'aimais bien. J'ai commencé la musique à 14-15 ans, parce que j'avais trop de trucs à dire. Mon nouvel album s'appelle Le Chemin des Braves, de Sevran jusqu'à Bravos. Dessus, le morceau que je vous conseille, c'est Mademoiselle. Parce qu'il faut se trouver sa mademoiselle dans la vie. Si je devais qualifier mon rap, je dirais qu'il est super sincère. J'aimerais beaucoup collaborer avec Polo G. J'aime grave Polo G. Ou Kodak Black. J'ai aimé travailler avec Kenny, parce que c'est la famille. Mais aussi avec Gazo, parce qu'il a grave du talent. Nino est plus... Nino est plus drôle qu'on le pense, je pense, parce qu'il est super drôle, Annie. Mais je crois, on sait qu'il est drôle, mais il est super drôle. La plus grosse star de mon répertoire, c'est... Oh, c'est peut-être Annie, hein. Il y a des stars dans mon répertoire, hein. Voilà, il y a des restas, attention, hein. Belek Lacrim, Belek Lacrim. Le rappeur le plus technique, je dirais que c'est... Waouh, le plus technique. Bah, Alpha One, j'aime bien comment il est technique. Dédicace à lui, tu vois. L'artiste qui m'a le plus impressionné au studio, c'est... Kaina Samet, tu vois. Kaina Samet, elle a une voix de guédon. Mon film préféré tous les temps, c'est L'Impasse ou The Town. Obligé. J'ai des talents cachés comme... je suis grave fort au foot. Je l'ai grave dit, de toute façon, c'est plus trop caché. Je pense que les extraterrestres... Je ne pense pas. Tu vois, c'est quoi? Je ne veux rien avoir avec ça. Et si j'en rencontrais un, je ne le dirais pas. Tu vois, c'est quoi? Je te jure, je ne le dirais pas. Mon plat préféré, c'est... j'aime bien aller manger du chikwang chez ma mère, tu connais. Pour la recette, il faut demander à ma mère. Et après, mon plaisir coupable... Quand je suis léoué le soir, j'écoute de la variété. Mon plaisir coupable. Voilà, voilà. Mon animal totem, c'est... j'aimais bien les tortues. J'étais à Zanzibar, j'aimais bien les tortues. C'était Swim. Mais si je devais être réincarné... Waouh, les gars, vous allez super loin. Ce serait un aigle pour vous chier sur la gueule. Les réseaux sociaux sont un moyen de rigoler des fois, tu vois. Les commentaires méchants, des fois, ça me fait rire. Je me dis, ah ouais, des fois, ils ont trop d'inspiration. Pourquoi ils sont méchants comme ça, wesh? Voilà, mon interview sur True Story est finie. Je pense que j'ai dit au moins 10 conneries et au moins 10 vraies choses. C'est tout pour moi. Et je vous quitte avec mes paroles préférées. J'avais un truc à dire en vite fait. Tiens, c'est gars. Call me.